tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo unboxing. Ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas fait de unboxing sur ma chaîne. Et là, j'avais acheté préalablement deux Woodbox Mystère. Donc, c'est des Woodbox qui a été vendu les mois et les années précédentes. Donc là, j'en ai acheté deux. Ça m'a coûté environ 40 euros. Donc, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans les box. Évidemment, je vais faire à l'aveugle. Alors, pour cette première vidéo, je vais vous en présenter une. Et je pense, juste après la fin du confinement, je vous en présenterai la deuxième. Donc, bah, je vais commencer avec la première Woodbox. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Ça va être à l'aveugle. Alors, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Tac. Et je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Alors, je vais ouvrir. Elle se présente comme ça. Donc vous savez que dans les Woodbox, les cartons, il y a toujours la version noire, quoi, et sur le dessus. Et quand vous retournez la boîte, c'est en rapport avec le thème du mois. Donc là, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, il y a le petit fascicule. Donc le petit fascicule, c'est Space. Alors ça sera la Woodbox Space. Donc je sais pas trop ce que c'est. Space, ça peut être Retour vers le futur. Alors je commence avec... Bah on va commencer par la pop. Et c'est Futurama. Donc c'est une série que je n'affectionne pas spécialement. Moi je suis plutôt American Dad ou Les Simpsons ou à la rigueur les South Park. Mais c'est vrai que Futurama, je ne suis pas un grand fan. Donc là j'ai eu Bender. Donc, je suis un peu déçu de la pop. Franchement, honnêtement, je suis un petit peu déçu. J'espère que les autres items seront un peu mieux. Alors là, c'est... Oula, c'est quoi ça? Oula. C'est... Oh! Un mug Star Wars. Je suis ton père. Non. Non. Ce n'est pas vrai. Trooper. Ah. Les méchants dans Star Wars. Donc c'est un petit mug. Un petit mug. Que je trouve... que je trouve sobre. Assez sobre. Avec un petit trooper noir et blanc. Ouais, c'est assez sobre, mais franchement, ça passe bien. À l'intérieur, c'est noir. Je la trouve belle, cette petite... ce petit mug. Alors, je continue avec... Là, il y a un petit item. Il me semble que c'est un jeu de cartes. Et c'est... Oh! C'est Biff Tanner, Places Paradise. Il me semble que c'est Back to Future 2. Oh, excellent! Un petit jeu de cartes Retour vers le futur. Nom de Zeus. Alors ça, ça me plaît beaucoup parce que j'adore cette saga. Et là, c'est dans... Retour vers le futur 2. Ah, je suis content. Je vois ce que c'est. Ah, très content. Alors ça, ça me plaît beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le t-shirt. Et nous avons le t-shirt. Et... Ah, le petit pins. C'est la première fois que je vous fais voir des woodbox sur la chaîne. Alors là, il me semble que woodbox... Donc il y a une petite secoupe avec... je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas. Franchement, dites-le moi dans les commentaires. Et en t-shirt, c'est... C'est Allo. Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. Allo. Non mais Allo, quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allo. Allo. Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Je ne joue pas du tout à Allo. C'est dommage. Alors je vais le déballer. Je suis un peu déçu de cette box. Franchement, honnêtement, hormis le jeu de cartes et le mug, oh, il y en a 2 sur 4. Alors, ça donne quoi? Bon, il peut être joli, hein. Alors par contre, il a l'air hyper joli, quoi. Ah oui, alors j'aime pas Halo. Enfin, j'aime pas Halo, j'ai jamais joué à Halo. Mais par contre, je le trouve vraiment très très beau, quoi. Alors, j'ai jamais joué à Halo, mais franchement, il est super beau. Évidemment, c'est de l'officiel. Hein. Je le trouve vraiment beau, quoi. Franchement, honnêtement, ouais, le design et tout, ça pète bien et tout.
vraiment très beau. Et l'intérieur de la boîte, bah, c'est la boîte qui est comme ça. Donc bah voilà, cette première box. Alors je vais résumer un petit peu ce qu'il y avait dans la box. Il y a le petit t-shirt Halo. Alors je ne joue pas Halo, mais je le trouve vraiment très beau. Donc en fait, ça passe partout, je trouve. J'aime beaucoup ce t-shirt, même si je ne connais pas la licence. La Futurama, j'aime pas trop, mais ce personnage est plutôt marrant avec sa bouteille de bière ou de vin rouge, j'en sais rien. Le petit mug Star Wars, alors ça me plaît beaucoup, c'est peut-être mon... Non, c'est mon second item préféré. Ça, je le mettrai en premier. Le petit jeu de cartes, bon, vu que c'est un jeu de cartes, c'est quand même moins important qu'un mug. Mais c'est Retour vers le futur, alors j'aime beaucoup. Alors ça, c'est vraiment mon second item préféré. En troisième, je mettrai quand même le t-shirt. En quatrième, je mettrai le pins. Et en cinquième, je mettrai la Funko Pop. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. Je referai ma seconde box un petit peu après le confinement, ou juste après le confinement, ou le 11 mai, on ne sait jamais. J'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. Alors si vous voulez vous procurer des Woodbox Mystères, ça vous coûte environ 20€ frais de port compris pour chaque box. Bon, moi j'en ai commandé deux. Donc j'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. Alors je suis un petit peu moins à l'aise avec les vidéos unboxing, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Passez une bonne journée, restez confinés chez vous, jusqu'au 11. Ciao et bye bye. Et pensez à commenter, liker et partager, c'est très important. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao et bye bye.